seems like yesterday was a game we played, or a scene from a movie. Can we freeze a frame? Can't we pause the game? Can't you always be with me? Am I running out? Thank you.
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, 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 infinity. Take your time to trust in me. Keep you.
again, it's 5 a.m. And I still wonder, have you been? Are you okay? I should have called, but I can't say goodbye. Keep you waiting all alone, all alone, night and day.
Ça peut être dangereux. Et Cazaux qui a été pris, il est monté au ballon, et là ça peut être très dangereux. On parlait justement Bernard, l'arbitre, et Marc, l'entraîneur de cette équipe. Oh, attention Cazaux, c'est bien joué Cazaux justement, on vous en parlait tout à l'heure. Gare à ces ballons de relance, à cet arrière Marsan. Ils sont allés prendre un bonus défensif à Paris la semaine dernière. Cazaux qui est plaqué à l'intérieur des 20 mètres de l'équipe de Toulon. Le ballon qui a été sorti par Arraillé. Avec moi, il est pas mal sur Rafi. On a bien joué. Sol, pénalité. Mais bon, des envies de jouer. On voit là, et Florent Cazaux qui prend l'intervalle, qui va bien au sol. Le ballon va pouvoir se libérer très rapidement et aller jouer sur l'extérieur avec Ternicien. Malheureusement. Derrière la mêlée pris par Collins. À quel point le Blacks amène avec sa puissance. Attention, Cazaux qui a retrouvé sur l'extérieur son ailier. Oh, touche rapidement. Non. Oui, on a voulu. Alors c'est très belle action de Florent Cazaux, ouais, qui fait mine de taper devant les adversaires toulonnais, qui rejoue derrière, qui relance. Dans cette première période de la troisième journée du top 14 entre Mont-de-Marsan et Toulon. Allez, oh, attention, bien joué Cazaux, un crochet, deux crochets, Cazaux, le soutien est là, la passe à hauteur, et bonne anticipation de Souta qui a coupé. Quel joueur, Florent Cazaux, quel joueur, rien ne lui fait peur, il ose
de relancer les ballons dans n'importe quelle condition. On l'a vu là, ils étaient 4 Toulonnais. Il a pris l'extérieur, deux petits crochets, un premier intérieur, un deuxième extérieur, et il arrive à faire vivre le ballon après derrière. C'est vraiment un joueur qui est pétri de talent, qui ose plein de relances, vraiment du bonheur à le voir jouer. On l'avait vu pour la finale contre le Metro Racing tenter 10 000 relances. Certes, il s'était fait contrer, on avait vu un bel essai des Parisiens, mais derrière il a continué à relancer. C'est un énorme joueur. Et en portant les ballons, peut-être qu'on en rendrait moins de balles à l'adversaire. Oui, peut-être aussi, mais il reste 90 mètres à faire, donc c'est aussi moins évident. Ouais. Attention, ce ballon sur l'extérieur, la passe, oh oui, pour Claire. Claire qui tape un coup de pied devant lui, il a été plaqué. Vous êtes sévère, Rodolphe. Il y a une très très belle sautée d'Areillé qui donne directement le ballon à Caso qui arrive à transmettre à Claire. Et derrière, Kefou qui arrive, on va le voir. Claire qui prend le ballon et au moment où il tape, Kefou est lancé. C'est saisi du ballon. Ça prend la direction des poteaux et ça passe entre les poteaux. Il est vraiment revenu vers son en but pour ensuite repartir de l'avant. Le contre est mené maintenant par Edmonds avec du jeu au pied des poteaux, justement, de Mont-de-Marsan avec Caso qui échappe au plaquage de Bolavoukou. Les jeunes, restez là. 8 minutes de jeu dans cette première période. Ouais, mais c'est bien pour les Montois parce qu'on voit qu'ils essayent de mettre à profit le moindre ballon de récupération, faire un ou deux temps de jeu supplémentaires pour pouvoir mettre à mal la défense adverse. Attention, la défense adverse, là, en l'occurrence, c'était celle de Bayonne, dont le rebond capricieux a failli coûter cher. C'est Vincent Caso qui a failli se saisir de ce ballon. On inverse finalement. Caso plaqué aux jambes par Armand. Il reste 25 minutes, ils sont dans le camp montois. Il semble que le changement ait permis d'assurer une bonne conquête, que ce soit mêlé. Perpignan, il a des jambes, mais là, il oublie le ballon. Arayette, en couverture, Rémi Martin. Attention au rebond, Rémi Martin, qui concède la touche. Ouais, les Bayonnais qui ont du mal, véritablement, à assurer la continuité de leurs actions. Alors, c'est vrai qu'on a vu Guillaume Bernat qui aurait pu choisir l'extérieur. Bon, il a décidé de garder le ballon. Et malheureusement, le soutien a été... C'est parti, ça va passer entre les poteaux. Oh non, le poteau justement. Le poteau au point de chute, ça cafouille. En avant Bayonnais, avantage pour Mont-de-Marsan avec la relance de Caso. Caso qui a trouvé du soutien. Mont-de-Marsan qui enflamme le stade Jean Daugé avec du jeu au pied à suivre. Mazzonetto le premier. Mathieu Bayard qui tape le poteau. On a failli récupérer le ballon côté Bayonnais et de suite la contre-attaque qui s'organise avec Vincent Caso qui arrive, une petite chistera à donner le ballon à Chenu Bourdal. Bourdal Borny, Mazzonetto, Caso qui mettent le feu comme on dit. Allez, avertissement sans frais pour Montpellier et ballon de relance pour les Montois qui n'hésitent pas à jouer à la main avec Lafort qui a redonné à Caso. Caso qui est passé, Caso qui est très rapide et qui a évité plusieurs défenseurs. Il a franchi la ligne médiane, on est dans le camp de Montpellier. Marshall, Todeschini, la chandelle de Todeschini pour aller éprouver Florent Caso. Hey, pas mal, il s'en sort pas mal. Le petit lutin montois. Et il a avec un crochet intérieur, il a fait le trou. Il retrouve du soutien à l'intérieur, c'est pas mal ça. Voilà, grosse accélération avec Mazzonetto. Mazzonetto face à Saravia. Mazzonetto qui va peut-être passer, il est à 5 mètres, il en but. Il va passer, ouais, c'est magnifique. Oh, la belle réaction de Mont-de-Marsan. À l'initiative de Florent Caso sur cette relance. On va le voir ici, Florent Caso qui échappe avec deux crochets à deux défenseurs montpelliérains. Voilà, et puis ensuite, il accélère, il vient chercher le dernier défenseur montpelliérain pour donner à son 3 carrel Mazzonetto. Voilà, il fixe Justin Marshall. Et ensuite, eh bien, voilà le soutien montois qui s'organise. Voilà, retour intérieur, tentative de cadrage et bordement. Le joueur montpelliérain est fixé, deux joueurs fixés. La petite chistera au passage qui a dû faire plaisir à André Boniface qu'on a vu dans les tribunes. Voilà. Et l'essai de Chedal Bornu. Ah, ça c'est beau. Ouais. Ça va faire du bien à Mont-de-Marsan. Départ de cet essai, c'est Florent Caso qu'on nous annonçait comme la petite merveille montoise. Eh bien,
On a eu un bel échantillon de son talent et ça, ça va faire du bien au Montois qui était quand même bien ballotté dans ce premier quart d'heure. La priorité au joueur qui va au ballon, celui qui recule, doit laisser la priorité à celui qui... Une explication qui n'est pas si courte que ça. D'accord, parce qu'il va falloir nous expliquer pourquoi Trinduc est à l'arrière quand même. Là, c'est un peu curieux. Alors, Cazot, lui, il est à l'arrière de Mont-de-Marsan et il n'hésite pas à relancer encore une fois. Il a été chassé par Wasserman. Mais il a remis les Montois dans le sens de la marche. Demi-mêlée néo-zélandais. Et ça va revenir pour Mont-de-Marsan. Et on essaye encore une fois avec à nouveau le crochet intérieur de Cazot. Et là en avant. C'est bien joué de la part de Florent Cazot. Et c'est vrai que là, encore une fois, il justera. Je pense que Murphy Taillé, le centre montois, ne s'attendait pas à la passe. Il donnait au nettoyage. Stéphane Prospect, il avait quand même un gros coup de tatane. Absolument, oui. Il évoluait à Géant. Et il a fini sa carrière aussi à Mont-de-Marsan. Alors qu'on est passé encore, Florent Cazot qui accélère. Florent Cazot qui est passé, il va peut-être aller marquer l'essai. Oh, ce serait énorme. Quel trou il a fait, il a passé 40 mètres l'arrière Montois. Il va essayer d'aller marquer derrière avec Rayet, il est tout près. Il s'arrête juste devant la ligne avec encore un, le ballon qui est tombé des mains. Ah ben on va revoir peut-être cette percée énorme de Florent Cazot. Qui a relancé un ballon, on pensait qu'il allait se faire plaquer par le joueur montpelliérain. Et le pilier sud-africain sur le crochet est pris à contre-pied. Et d'ailleurs, regardez, il fait admirer un crochet intérieur sur Gorgontier. Et sur la transformation de balle suite à cette libération. 22 à 13. Ouais, sont-ils en train de grignoter leur retard petit à petit les Montois? Ouais. On voit c'était Justin Marshall qui était venu rattraper Cazot, dont le nom a été scandé par le public landais. Florent Cazot, encore une fois, intenable dans ce match. Et qui est en train de remettre son équipe sur les bons rails. Il va vous chercher. Et revoilà la percée de Cazot. Lui aussi un des acteurs majeurs de ce match. Heureusement qu'il a... Laurent. Il a fait un crochet intérieur à Gorgonzi, sinon il est... C'est sûr. Il risquait de se faire découper. Oui, Jérôme. Excusez-moi. Sa vitesse. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi, je crois, à assurer la passe pour Olivier Saramea. Le Montpellierain qui a un petit peu de mal à ce début de deuxième mi-temps. À cause ballon au départ qui avait été, voilà, on le voit sur cette action. Là encore une fois, la percée de Florent Cazot. Il fait l'effort de rester debout et sur le plaquage, il est le ballon. Que nous avions eu en première période, ping-pong rugby, tous les bleus montent sur Florent Cazot pour évidemment l'empêcher de relancer. Cazot qui trouve la touche, oui, et c'est presque un essai magnifique. Vraiment un essai très complet où tous les joueurs quasiment ont touché le ballon au début de cette deuxième mi-temps, alors qu'on revoit ici Jacques Skeuteux, le Sud-Africain de Montpellier, en se passant le ballon. Ah oui, gros plan sur Florent Cazot aussi. Hein. Quel joueur, ce Florent Cazot. Pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, vraiment. Il a une grande capacité à l'esquive et à l'accélération en même temps, c'est assez impressionnant. C'est très bien de voir. 26 ans, Florent Cazot, 4e saison au Stade Montois. Et l'un des hommes de base, évidemment, de cette équipe. 5 fois titulaire lors des 5 premiers matchs. Il n'y a que 3 joueurs indispensables dans cette équipe, c'est Claire, Cazot et Arayet pour l'instant, qui ont été titulaires à tous les matchs du Stade Montois. Manqué. Oui, attention. Récupéré par Cazot. Cazot qui a de l'espace peut-être. Ouais, qui a évité le premier rideau, mis au sol. Et voilà, et derrière le. Allez, un ballon de relance peut-être. Et Cazot. Cazot, le petit coup de pied par-dessus qui est bien fait. Il le récupère, attention, il y a un deuxième rideau, il peut donner son ballon. C'est parfait à Dubié. Dubié qui attend un petit peu, qui retrouve derrière Giraud avec Arayet. Quelle belle action des Montois. Alors qu'on voit Florent Cazot, l'arrière, qui décide de. Allez, mêlez ici, venez messieurs. Taper par-dessus. Il avait raison parce que le premier rideau était fourni. Comme on dit du côté de Brive. Il a tapé par-dessus, l'a récupéré. Et puis après, ça va vite parce que Mont-de-Marsan. Allez, c'est. Arayet qui va retrouver Jérôme Carré. Jérôme Carré avec la passe. Pour Minard. Minard au sol. C'est sérieux. Alors comment de Marsan se refait la cerise? Oh un oui, peu c'était là. Joli. Et bien vu cette bien petite vu, passe entre les jambes. Arayet avec Cazot. Son premier ballon depuis son retour. L'accélération de Cazot qui avait un petit espace qui va passer.
Et bien vu, hein, il est passé entre le talon et le pilier. Alors qu'on aperçoit là la belle relance, une belle prise d'intervalle de l'arrière Montois. Jeu dehors. Davis, long coup de pied énorme, de Davis. Énorme coup de pied. Dans les bras de Cazot qui peut sauver la touche. Mais c'est lui-même qui a rentré le ballon. Attention hein, dans les 22. Oui, oh, voilà, bien joué. Il a effacé Stébagnès. Il a effacé Cook. Repris derrière par Christian Short. Vous avez dit à vos joueurs pour les garder mobilisés sur cette deuxième mi-temps. Je crois qu'il faut se remobiliser surtout en défense. Autant on est vraiment intéressant sur ce qu'on fait en position du ballon, autant il y a beaucoup de flottements dans notre défense. Le dernier essai. Florent Cazot. Hey, il est pas mal, il s'en sort pas mal. Le petit Lutin Montois. Et il a avec un crochet intérieur, il a fait le trou. Il retrouve du soutien à l'intérieur, c'est pas mal ça. Oh la grosse inscrite, les gars, accélération avec Mazzonetto. Mazzonetto face à Sarabia. Mazzonetto qui va peut-être passer, il est à 5 mètres, il est en but. Il va passer, ouais, l'essai magnifique. Oh la belle réaction de Mont-de-Marsan. L'essai magnifique de Baptiste Chenal-Bordu. She stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate, let's move. Alors Grobler. Grobler qui franchit la ligne des 40 mètres. Il a fait 2-3 mètres en percussion. Toujours pour Yannick Laforgue qui passe le ballon. Romain Loga qui fait mine de taper. Suta, il est tout seul. Suta, il passe avec un relais sur Florent Cazot qui est tout seul. Florent, il va marquer. Oui. Florent Cazot sur la percée géniale de Jocelino Suta. Allez. Oh Florent, cet essai, il va nous le mener à top 14.